m'enrichir sur Solo Warcraft. Après, on reviendra sur le PC parce que je vais vous montrer le logiciel que j'utilise. Après, tu peux venir là. En fait, là, tu fais un petit recul comme ça, tu te mets là. Là, en fait, maintenant, je prends vite juste la caméra. En fait, quand je joue, j'utilise ce clavier qui est là. J'utilise le clavier qui est là. Et en fait, c'est un clavier Razer. Et c'est des touches hein, comme si c'était sur un PC portable. Ici, il y a la souris Trust. En bas, en lumière, il y a une guirlande de Noël qui chauffe un petit peu. Une lumière là qui permet de. Comment dire ? Tu le mets là. En fait, il y a des guirlandes de Noël, la petite lampe, là le petit PC. PC Asus i3 avec une carte Intel. Avec une carte Intel, 500 gigas. Non, c'est combien, attendez. Tac. C'est 1 Tera, je crois. Ouais, non, c'est 500 gigas. 500 gigas, 4 gigas de RAM, i3. Une carte dédiée juste pour faire du montage vidéo. Un peu pour jouer à League of Legends, Minecraft, etc. World of Warcraft. Là, il y a tapis de souris et tapis de souris. Et là, qui est le USB là. Ça, c'est une petite souris, c'est la Abyss de chez Razer. Ici, un autre petit téléphone que mon caméraman m'a prêté. Big up à toi. Ici, il y a des petites enceintes Logitech. L'iPad mini que j'emmène partout. Encore des petites enceintes Logitech. Et là, il y a le truc de basse. Ici, il y a un petit casque Razer avec un écran. Ici. En fait, ça, c'est des anciens écrans. Le seul écran qui est en HD, c'est celui-là qui est là. 1000. En gros, je sais plus c'est quoi les proportions. 1920 x 1080. Ici, il y a un petit calendrier, le livre de code, quelques clés USB, des haut-parleurs. Les écouteurs, pardon. Beats. Et là, on va faire place à la machine de guerre. C'est quoi la config déjà? C'est, attendez, un petit i7, 4790 normal. En gigahertz, j'ai 8 coeurs. En cadence, c'est à 3,6, 3,60 gigahertz. En carte graphique, j'ai une GTX 970, 16 Go de RAM, j'ai un petit Windows Edition Family Premium. J'ai quoi d'autre? Le boîtier Zalman Z11 Plus avec une petite une petite carte mère de chez MSI. Voilà, je vais essayer de vous montrer comment il tourne. Attendez. Ici, il y a trois petits disques durs, 2 Tera, 1 Tera et 500 Giga. Quelques câbles. Ici. Dommage que je peux pas vous montrer à l'intérieur du PC. Tac, je vous montre tout ça, les poteaux. Ça fait comme ça.
fait ça. Comme ça, on se lève. On va se mettre là. Là, c'est ma vision quand je joue. D'ailleurs, je pourrais vous dire tous les jeux que je joue. Je vais prendre la manette de PS4 qui est là-bas. Je vais juste mettre le vite fait. Voilà. En jeu. Alors. En jeu. J'ai Rocket League, Black Ops 3, GTA 5, 3, Minecraft. WW2K17, Xenoverse 2, Assassin's Creed Syndicate, Battlefield 1 et Skyrim. Voilà. Là, ah mais c'est vraiment zoomé. Ici, là. Attendez, ici, là, vous voyez le truc qui est relié, le câble internet de la fibre à mon PC. Là, vous allez voir le boîtier de chez Trito, la Wii U, la PS3 et le mec de Black Ops 3, un thème Watch Dogs 2 gratuit, bien sûr. Il y a quoi d'autre que je pourrais vous montrer D'ailleurs, on va faire une petite photo. D'ailleurs, j'utilise aussi le mini Mac, mais faut que j'arrive à trouver le petit problème qu'il a. Parce qu'en fait, il a un petit souci, c'est que il n'y a pas d'image en fait. Et voilà. Bon. Ici, il y a le petit canapé, la petite chaise GTS. Maintenant, je vais vous montrer le setup vu de nuit. Et le truc, j'ai pas de subbox ou tout ça. J'ai une petite lampe de chez Ikea avec une puissance de 40 watts qui est là. 40 watts, c'est énorme, ça éclaire. Stylé, par contre. Je voulais aussi vous montrer. Faudrait juste couper le son sur cette caméra là. Et par contre, je voulais juste te prévenir. Il y a un truc sur ton écran là. Tu vois. Là, c'est bon. J'en ai. Tu peux le couper le truc et le mettre en charge si tu veux. Voici le setup vidéo de nuit. C'est énorme. Tu me laves en haut si tu veux. Non. Ah, l'iPad il est en. Il s'allume. Il est 2h29 du mat. La petite manette tranquille. Et là on voit tout mon matos. On voit tout mon matos. Et voilà, c'est assez énorme. Voilà. On peut nous voir allumer la lumière. Tac. Et on va faire la même photo avec la lumière de fond. Bon les potos, on a du beau matos hein. Bon, je voulais aussi vous dire mes dédicaces à la personne qui m'a donné ça. Voilà. Et aussi, merci à la personne qui m'a donné cette affiche-là de Mafia 3.
Bon les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et à la prochaine, allez, ciao.